L'idée, c'est de monter un club, restaurant sur l'île Séguin, plus ou moins sur ce beau projet qui est la scène musicale, quoi. Et puis l'opportunité s'est présentée. Et puis voilà. Je suis un indépendant maintenant sur la sphère musicale. Je vends mes albums moi-même, donc je les produis moi-même dans mes studios. Donc j'ai trouvé nécessaire d'avoir des lieux où donc on peut jouer ses musiques, avoir un endroit, une plateforme live, quoi. On va accueillir les musiciens de tout horizon. Et ce sera pas seulement du jazz, quoi. C'est un lieu de vie aussi. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de toutes les musiques. Le nom Nubia, je voulais trouver. J'étais à la recherche d'un nom fédérateur. Et la Nubie est cette région qui se trouve justement au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. C'était un lieu d'échange commercial et culturel. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cette région. Donc, on est plus ou moins tous des Nobas, quoi. D'où mon slogan, en fait, de ce club ici, qui est un retour à l'essentiel. J'essaye d'initier, en fait, ici un partenariat avec les conservatoires de la région. C'est bien ce que font les conservatoires, hein. Ils font un boulot super. Mais aussi, la finalité pour un musicien aussi, c'est d'être sur scène. Je n'ouvrirai jamais un club au Cameroun. Je suis persona non grata au Cameroun. Donc, je ne vois pas pourquoi je le ferai. Voilà. Au gouvernement. Oui, ailleurs, j'ai des projets. J'ai des projets à Accra, j'ai des projets au Mozambique. Je vais au Mozambique début mars. J'ai beaucoup de projets en Afrique, mais pas au Cameroun.